Et une barre quinoa protéinée et des bonhommes. Le temps de retourner chercher Éléonore. Bon matin en passant. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc c'est ça, pour les mamans qui savent c'est quoi être en slow mom, parfois les deux enfants se réveillent en même temps. Ben Lélé, je l'ai déposée dans son lit pendant que gérait sa soeur, puis elle a le petit un mot. Hein? Qu'est-ce que Donc, we are back de la garderie. Ça a vraiment été un matin tough. Le matin, j'ai juste arrêté de filmer parce que pour vrai, Clara, c'était pas un bon matin. C'est vraiment rare que ça arrive. Mais naturellement, il fallait que ça arrive quand j'étais en solo mom, puis comme j'ai un matin tout fou, puis il fallait que je parte tôt. Finalement, il y en avait un corps, puis c'est pas grave, là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est comme l'intégration aux 18 mois aujourd'hui pour Clara. Ben, en fait, pas l'intégration, mais elle est officiellement avec un autre groupe, les deux groupes des 18 mois. Elle a fait une transition graduelle, puis ça allait super bien. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, le micro, il est genre... En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Fait que c'est ça, ça a comme pas été facile. En fait, une crise de bacon, genre, dans l'entrée. Fait que là, j'étais poignée avec la coquille, puis comme la porte qui ferme automatique, puis tout ça. Fait que c'est ça, je capote un peu, mais là, une éducatrice qui m'a aidée. Puis un coup, dans les bras, son éducatrice, elle a comme assez calmé, puis tout, là. Mais c'est ça, elle avait plein d'émotions. Moi, j'ai l'impression qu'elle a juste comme pas assez dormi. Elle se réveille à 7h30, puis elle voulait encore dormir, sauf que, tu sais, à un moment donné, il faut qu'elle se lève. Fait que, en espérant qu'elle fasse un beau dodo tantôt. Au moins, elle a des amis, là, dans les 18 mois qu'elle avait à la pouponnière. Fait que c'est ça. Mais mon cœur de maman avait juste envie de la garder avec moi, mais comme, tu sais, maintenant, faut qu'elle s'intègre, puis ça va bien aller, c'est correct. C'est pas aussi pire que... En fait, non. J'ai comme l'impression de ressauter quand je la laissais, genre, l'année passée, à pareille date, là, à 12 mois. Fait que c'est ça. Ça va bien aller. Au final, Clara, je sais qu'elle va bien se réintégrer ce matin. Il y a juste rien qui faisait son bonheur. Alors, c'est ça, le Malélé est fatiguée. Mon Dieu, elle a l'air bête. On s'en va chercher ce matin un véhicule. Je vous dis pas tout de suite c'est lequel. Mais c'est ça. J'ai bien hâte. On s'en va là. Justement, je vais le mettre à l'adresse. Puis j'ai une couple d'appels à faire. Fait que, on se voit tantôt. Donc, I am back. Back in a new car. Je suis dans la Volvo XC90 Recharge 2022. Donc, elle m'a été prêtée par Volvo Car Canada. Pour tester, dans le fond, leur véhicule hybride, m'en aller vers une voie un peu plus écologique. Je vous avoue que c'est quelque chose que moi et Will, on pense beaucoup. On avait comme deux modèles en tête, mais tu sais, on s'est pas encore lancé à 100% dedans. Mais c'est sûr que le prochain véhicule, on risque d'aller avec quelque chose, ben dans mon cas, éco. Alors, c'est ça, fait que c'est super le fun de le tester. C'est la première fois, en fait, que je conduis un véhicule hybride électrique. Bon, je suis vraiment pas familière avec, mais même la conduite, je trouvais comme c'était différent, puis tout, mais vraiment, écoute, ça fait tellement pas de bruit, c'est tellement génial. Et l'intérieur, je vais vous montrer en temps et lieu l'intérieur et l'extérieur, mais c'est tellement ma couleur de rêve, là. J'aime tellement ça, blanc, beige. Je pense que les autres, ils appellent ça genre Napa Leather. Donc, c'est super beau. Lélé, elle me sourit, elle pense que je lui parle. C'est maman qui parle? Mais c'est ça, fait que vraiment, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour me lancer le petit défi de faire des choix plus éco. Voilà, alors c'est sûr que je vous ferai un petit tour puis un petit review là, après quelques jours avec le véhicule. Mais je suis très contente là, de tester ça et j'ai bien hâte de montrer à Will qui est comme très fan de voiture.
J'ai eu genre deux voitures dans ma vie, j'en ai une d'Accent puis ma Tiguan, mais oui, il y en a eu genre 10. Fait que c'est ça. Alors, je vais retourner à mes occupations. J'ai beaucoup de commissions pour la fête à Clara qu'on célèbre samedi. Notre pouponne, grande fille qui va avoir 200. Sa fête, c'est le 9 septembre, mais comme on est dans le Maine, on a décidé de la fêter plus tôt. Voilà, là, j'ai une to-do list dans mon téléphone, mais là, je suis rendue à l'étape d'arrêter à la place Rosemère faire les 10 achats. Alors voilà, je vous amène avec moi dans cette journée. Je voulais prendre justement un instant pour vous montrer des produits que j'aime beaucoup, ménager maison, de la marque Attitude. Et il y a une autre compagnie que je n'ai jamais essayée. Je ne sais pas si on dit mini ou mini, mais bref, dans tous les cas, c'est une belle compagnie qui m'a approchée pour m'envoyer leurs produits pour les tester. Puis je trouvais que c'était comme j'avais le véhicule hybride, je trouvais que c'est un bon moment de vous en parler. Puis justement, d'essayer ces produits-là, qui sont bons pour les animaux, biodégradables, fabriqué au Canada, zéro déchet, puis c'est une entreprise fondée par une femme. Donc c'est leur collection d'été, donc c'est pommes, grenades et à la mangue. Alors je suis vraiment très contente. Puis dans le fond, ils t'envoient leur contenant comme ça. Puis ce que tu achètes, c'est des petits, comme des genres de petits pods que tu mélanges dans le fond à de l'eau. Fait que tout ce que tu as racheté, c'est ça ici. Fait que c'est vraiment pratique. Et j'en ai aussi pour le lave-vaisselle et pour la lessive. Donc, je vais faire quand même une brassée de serviettes. Fait que je vais le tester. Ça dit sans odeur, mais bon, I guess ça nettoie. Ça m'empêche pas de mettre de l'assouplisseur pour venir donner justement une odeur. Fait que j'ai hâte de les tester. Puis j'ai également là, le savon à main. Puis dans le fond, ce qu'elle a envoyé, c'est nettoyant à vitre et miroir et genre le multi-surface. Puis sinon, ben, j'ai les produits Attitude aussi que j'utilise quand même beaucoup. Ne serait-ce que pour les filles, j'aime savoir qu'on utilise des ingrédients, là, on utilise des produits qui sont naturels et la lessive. Tu sais, honnêtement, je vous parle de ça, puis je suis vraiment, tu sais, on est dans le sujet, là, être éco-responsable puis tout. Puis je trouve que de plus en plus, les compagnies se poussent vraiment vers ça. Puis je trouve que c'est vraiment un beau geste pour la planète. Puis que chacun, on peut mettre un peu du nôtre. Je suis une consommatrice, je ne suis vraiment pas une, comment dire, genre, la plus grande éco-responsable au monde. J'ai vraiment beaucoup de travail à faire encore, mais honnêtement, j'essaie vraiment dans mes choix du quotidien de pousser plus. Fait que des fois, je suis prête à me payer un petit peu plus cher pour un produit qui va être meilleur pour la planète, etc. T'sais, ici, on va composter. À chaque semaine, le compost se fait ramasser. Dans le day-to-day, faire rouler une maison, utiliser nos véhicules, les choix en termes de tous les produits que je vous montre, puis les vêtements, etc. T'sais, c'est pas toujours éco-responsable. Fait que je veux pas avoir l'air de quelqu'un genre qui... Mais j'aime ça. J'aimerais ça vraiment m'en aller de plus en plus vers cette voie-là. Mais... Écoutez, on fait chacun du mieux qu'on peut, puis je sais qu'on peut toujours faire une petite coche au-dessus. Fait que voilà, je suis toujours vraiment heureuse de découvrir des nouveaux produits éco-responsables. Fait que c'est la raison pour laquelle je vous le partage aujourd'hui. Bon dimanche, excusez-moi la musique en background, c'est le Sky qui chante la musique là, à Clara, puis il faut tout le temps que ça joue. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer, mais espérons que ça durera pas trop longtemps. Il est cute, là, mais pas toute la journée. Alors, on est dimanche, lendemain de fête à Clara, et je suis en solo mom jusqu'à environ l'heure du dîner, donc il reste un genre de 2 heures. Ça, c'est ma fille qui lance des œufs. Clara, c'est pas pour lancer par terre. Elle est rendue genre à cette étape-là, comme elle pitche les affaires par terre, puis elle les ramasse, au moins.
pas tout le temps, mais most of the time. Je voulais aller à l'aubainerie. On s'en va en Floride au mois de novembre. Puis en ce moment, c'est les gros, gros spéciaux. Ça vaut vraiment la peine quand c'est en spécial à l'aubainerie. Et je voulais justement acheter quelques petits morceaux là, pour Clara parce que, tu sais, on n'aura plus vraiment de linge d'été. Il y a quelques petits morceaux qu'il va lui faire encore, mais je voulais juste voir. Puis je me suis mis un budget à ne pas dépasser. Fait que c'est ça qu'il faut quand on part magasiner. Mais je me suis dit d'acheter juste des trucs en sol, à moins qu'il y ait des petites laines, des trucs d'automne qui valent vraiment la peine, surtout pour la garderie. Et plus tard, j'ai envie de vous faire le petit review sur la Volvo qu'on a essayé pendant quelques jours. Là, c'est ce matin, c'est Will qui l'a essayé pour s'en aller en ville. Et il va capoter, il aime vraiment ça. Honnêtement, on a vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. Fait que je vous reviens là avec notre review complet. Je vous montre également le véhicule un peu plus tard dans la journée. Bon, excusez-moi la petite symphonie en arrière, c'est ma sécheuse qui vient de terminer. Fait que dans le fond, je voulais vous montrer si vous étiez... Bon. Clara joue avec ses bâtons de golf qu'elle a reçus en cadeau. Alors, c'est ça. Donc, je voulais vous montrer dans le fond ce que j'avais acheté. J'ai pas dépassé le budget, même que j'ai dépensé moins que le budget. Et principalement, c'est tout dans les soldes. Puis pour Clara, parce que Ellie, elle a vraiment beaucoup de linge de Clara. Surtout là, tu sais, du linge d'été puis tout qu'on va apporter. Balle! T'as la balle? Oui. C'est ça, je vous dis des petits bâtons de golf. Non, 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 pas dans la bouche. Ah! C'est droitier, ça se bouge-tu? Maman est gauchère, mon amour. Puis toi aussi, t'es pas mal gauchère. Bon. Wouhou! T'es. Bon. Alors, finalement. Dans les pas soldes, j'ai trouvé ce petit sweater blanc-là. Vraiment cute et tellement pratique pour l'automne. Des cuissards, bike shirt noir. C'est vraiment, tu sais, Clara, elle veut pas faire des cours au DK, fait que je trouve ça fun à lui mettre. Puis des fois, juste pour dans la maison, je trouve que c'est pratique. Des petites shorts, comme ça, j'ai pris dans la taille 3T. Je trouve que c'est quand même grand, mais tant qu'à moi, si on y retourne en plus au printemps, je vais être contente qu'il soit juste un peu plus grand. Même chose là, ici. Des t-shirts. Honnêtement, les t-shirts, ils valaient vraiment. Fait que je disais que les t-shirts, ça valait la peine. Il y en a un ici, un autre ici. Là, elle a slidé par terre. Ouais, c'est pas fait mal. Ouais, tu vas la terre. Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, ces petits pantalons-là, genre jambes évasées. Je trouvais que c'était vraiment cute. Et une belle robe blanche. Fait que je pense que je vous laisse ainsi. On se reparle tantôt. Et là, Clara, on va dans l'auto. Oh. Dans quelle auto tu vas aller? Oui. Dans quelle voiture? Oui. Celle-là? Ouais, good. Le modèle XT90 hybride de Volvo contient trois modes de conduite. Vous avez le mode hybride dans lequel le moteur électrique et le moteur thermique fonctionnent ensemble. Vous pouvez également rouler sur l'électricité seulement et lorsque le niveau de la charge de la batterie est bas, le moteur thermique démarre. Sachez que le véhicule se recharge lorsque vous roulez. Papa qui prend le temps de changer les lits dans la valise. Et moi, je prends un moment pour vous montrer l'intérieur. Toute beige, vraiment mon intérieur de rêve, mais oui, il a dit que c'est pas pratique avec des enfants. Donc, vous avez un grand tableau bord juste ici, un truc pour charger le téléphone automatique. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Vous avez naturellement pour mettre les verres ici. Le coffre à gants, c'est vraiment cute parce qu'il s'ouvre comme ça par un piton automatique. Vous avez également Apple CarPlay ici, le téléphone à Will avec la petite musique qui joue. Le système de son, c'est un Bauer & Wilkins. Will dit que c'est bon. Hein, Will? Très bon système de son. Bon système de son, moi je connais pas très ça. Sinon, on a la vue également panoramique. Gros coup de cœur, Clara a trip quand on est en voiture, elle veut absolument qu'on l'ouvre. Les caches-soleil comme ça ici aussi, je trouve que c'est un must, surtout avec des enfants là, qu'on on peut les mettre comme ça, ils ont toujours le soleil caché. Vous avez évitement de collision, cross-traffic alerte, les distances aussi, l'alerte de distance. Donc vraiment, on est sûr d'être en sécurité à bord avec bébé. Donc Sarah a les mains pleines. Moi, je vais vous montrer un peu où est-ce qu'on trouve le fil de recharge. Donc dans la valise, en dessous du plancher de valise, tu ouvres, tu as le fil que tu plugues. Ici, tu défais.